assis sur ton trône, sois loué, Jésus, mon Dieu, sois loué. Thank you.
chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, victoire. Victoire, 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 alléluia, victoire, alléluia.
les cieux, il y a de la joie. Waouh! Gabon, ton Seigneur te réclame. Gabon, celui qui t'a aimé le premier t'appelle. Oh, y a-t-il des personnes qui aiment ce pays? Y a-t-il des personnes qui aiment ce peuple? Alléluia. Waouh, y a des beaux visages. Alléluia. Les visages sont beaux. La joie de Jésus resplendit. Amen. Personne ne peut te donner la joie comme Jésus-Christ de Nazareth. Waouh. Je connais Jésus. J'ai goûté Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Amen. Nous nous assemblons en ce lieu tous les dimanches. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de vous donner le programme des rencontres hebdomadaires, c'est-à-dire tout au long de la semaine. Et nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous voulons bénir également toutes les personnes qui, tout au long de ce programme, ont décidé de donner leur vie au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Je peux vous assurer, vous ne serez pas déçus. Amen. C'est une vérité. Demandez à tous ceux qui sont ici, à tous ceux qui connaissent Jésus dans ce pays, demandez-leur si Jésus a déjà déçu quelqu'un. Il est fidèle. C'est le seul époux fidèle, l'unique époux fidèle. C'est le seul qui peut te relever quand tu es brisé, lorsque tout le monde t'a rejeté. Tu as pris la bonne décision. Toi qui, tout au long de ce programme, auras décidé de te détourner du monde. Toi qui, tout au long de ce programme, auras décidé d'abandonner ces faux dieux. Le Seigneur a donné une vision à son peuple. Il a dit, il veut son peuple acquis à lui. Le Gabon à 100%. Ce qui a commencé à Libreville ne s'arrêtera pas à Libreville. Ce qui a commencé à Libreville ira tout le Gabon. La vision que le Seigneur nous donne, c'est d'aller conquérir le pays sans rien laisser à l'ennemi. L'Ondjobi, le Bouti, l'Islam, Bouddha, le Vaudou, les sirènes, tous ont commencé à partir. Au nom de Jésus. Ils vont libérer complètement ce pays. Oh, Gabon, c'est l'heure de ta visitation. Saisis-la. Oh, des hommes et des femmes se sont levés pour prier pour ce pays. La volonté de Dieu est que toi, tu en fasses partie. La volonté de Dieu est que toi aussi, tu aies part à cet héritage. La volonté de Dieu est que toi aussi, tu ailles dans les cieux lorsqu'il viendra chercher son église. La volonté de Dieu est que toi aussi, tu sortes complètement du péché. Complètement. Je dis bien complètement. Arrête la discrimination. Tel n'est pas de mon rang social. Si c'est un enfant de Dieu, il ne peut pas être de ton rang social parce que lui,
Il est d'un rang social beaucoup plus élevé. Il est le fils du roi des rois. Oh, tel ne parle pas ma langue, mais il ne peut pas parler ta langue. Ta langue est terrestre. Lui, il parle une langue qui vient d'en haut. Oh, tel n'est pas blanc comme moi, donc il n'est pas avancé. Mais blanc, c'est la couleur que toi tu vois. La Bible dit qu'il a un corps glorieux qui lui est réservé. Oh, il resplendira comme son père. Tel n'est pas aussi intelligent. Tu crois que les mathématiques, c'est tout? Il y a des choses beaucoup plus complexes que les mathématiques. Il y a des choses qu'on ne peut décoder qu'avec le Saint-Esprit. Et celui-là, il a reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il peut être un homme fin. C'est pourquoi il peut être un bon mari. C'est pourquoi il peut être un bon père. C'est pourquoi il peut être un bon frère. C'est pourquoi il peut être un bon beau-fils. Alléluia. J'ai ma belle-mère ici. Alléluia. C'est à cause de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes fous, mais nous sommes fous à raison. Nous aimons celui qui mérite d'être aimé. Parce que lui, la Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Regardez, 2000 ans auparavant, nous n'étions même pas encore sur cette terre, qu'il avait déjà déclaré son amour pour nous. Il avait déjà donné sa vie pour nous. Oh, la vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour votre arrivée dans ces lieux. Il y a une famille que Dieu a touchée. Elle a ouvert ses portes. Elle a dit, nous servirons l'Éternel avec tout ce que nous avons. C'est pourquoi nous sommes sur cette cour. Nous bénissons Dieu pour cette famille. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier pour notre nation, le Gabon? Parle à ton Père. Parle à ton Père ce matin. Le Seigneur t'a manifesté son amour. Et il te dit, mon enfant, je ne tiens pas compte de tes fautes. Ça y est, voici. Si tu te repens et tu demandes, tu décides de changer de vie, voici, tout est effacé. Je ne me souviendrai plus de ces péchés. Tu t'es tenu loin de moi, mais maintenant, moi, ton Père, je suis dans la joie de te recevoir. Oh Jésus, devant ta majesté, Seigneur, nous nous inclinons. Merci, Seigneur, parce que tu sauves des vies. Merci, Seigneur, parce que tu sauves, oh Dieu, ce pays. Père, les choses étaient compliquées. Mais maintenant, tu nous montres, Seigneur, que la victoire est au bout. Seigneur, nous voulons te recommander le Gabon tout entier. Tu as dit, Seigneur, que nous posséderons le pays. Merci, Seigneur, pour cette marche. Parce que, Seigneur, tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Tu seras avec nous. Seigneur, même si cette marche nous amène dans l'ombre de la vallée de la, dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous. Tu nous as assuré de ta présence. Tu as dit, Seigneur, que tu es notre rocher. Et c'est en toi, Seigneur, que nous nous habitons. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, pour un plan si glorieux, un plan si merveilleux. Merci, Seigneur, pour le Gabon.
paix, comme Israël, ce pays s'est prostitué. Il s'est prostitué à d'autres dieux. Il s'est prostitué à Mahomet, un faux dieu mort. Il s'est prostitué au Njobi, un faux dieu qui n'existe même pas. Il s'est prostitué au Biti. Il s'est prostitué au Mbumba, au Njembe. Père, ton peuple s'était détourné de toi. Mais maintenant, voici, Seigneur, tes enfants se lèvent. Afin que ton peuple, Seigneur, élève la voix vers toi. Oui, Père, tu es celui qui peut nous assurer la vie véritable, le bonheur véritable, la paix véritable, la joie véritable. Ô Dieu, qui est comme toi? Personne, Seigneur, n'est comme toi. Personne. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Merci pour le Gabon. Ne m'a jamais laissé tomber. Merci, Père. Tu es toujours là avec moi. Oh. Il ne m'a jamais abandonné. Il est toujours là avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Toujours, il est toujours là, avec moi, ne m'a jamais laissé tomber.
tu l'aimes, tu dois y aller. Demande aux jeunes qui sont au milieu de nous, et même jeunes tout simplement, de libérer les places aux personnes âgées et aux mamans en priorité. Amen. Dans le royaume des cieux, on est respectueux. Amen. On peut continuer, mon frère.
cri de joie. Acclamons Jésus. Jésus, Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Oh Jésus, Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Jésus est sans pareil. Le roi des rois est sans pareil. Yeshua est sans pareil. Oh, tu es sans pareil. Jésus est sans pareil. Mon doudou est sans pareil. Yeshua sans pareil. Oh, Jésus est. Jésus, tu es le seul qui est digne de recevoir la gloire et l'acclamation de ton peuple. Seigneur, nous poussons les cris de joie vers toi. Alléluia. Je le loue, je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue, le loue, 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 je le loue, je le loue, je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue, je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa
puissance, c'est pourquoi je le loue. Je le louais, louais. Je le louais, louais. Je le loue. Alléluia. Je connais sa grandeur, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa grandeur, c'est pourquoi je le loue. Je le louais, louais. Je connais son amour, c'est pourquoi je le loue. Je connais son amour, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, loue. Je le loue, loue. Je connais sa passion, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa passion, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, loue. Je connais sa force, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa force, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, loue. Je le loue, loue. Loue, loue Jésus, loue Dieu. Loue, loue Jésus, loue Dieu.
mama kumama akumama Yahweh kumama 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 akumama Yahweh kumama 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 akumama Yahweh kumama 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 poussez les cris de joie kumama 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 L'accueil demande au propriétaire du véhicule AF 374 AA Suzuki Vitara à bien vouloir déplacer son véhicule AH 808 IT Ford Ranger BG 050 AA Toyota Quadriseur CX 464 AA Toyota DK 921 AA Suzuki Vitara à bien vouloir déplacer leur véhicule. Merci. Que serait le désir de mon cœur si ce n'est d'élever ton Saint-Nom par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à l'unique et le véritable. C'est toi. Oh, l'admirable de mon ton nom au ciel et sur la terre, Jésus. L'unique et le véritable. Oh, l'admirable de mon ton nom au ciel et sur la terre. Pour toi, que serait le désir de mon cœur si ce n'est d'élever ton Saint-Nom par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne. Oh, l'unique et le véritable. Oh, l'admirable. Devant ton nom au ciel et sur la terre, Jésus. L'unique et le véritable. Jésus, tu es l'admirable. Devant ton nom au ciel et sur la terre, mon roi. Que ton nom Jésus soit béni. En ton silo, tu trouves une raison d'être. Ton origine remonte depuis l'éternité. Yeshua, Messie, Yosem, Zambé. Oh, que toute la gloire revienne à Jésus. Jésus, Jésus, la vie et la vérité restent Jésus. Les acclamations reviennent à Jésus. Oh, Yeshua, Messie, Yosem, Zambé. Que ton nom Jésus soit béni. En ton silo, tu trouves une raison d'être. Ton origine remonte depuis l'éternité. Yeshua Messie Yosem Tambe. Oh, le premier. Celui qui était. Le premier. Et le dernier. Celui qui était et qui est. La parole manifestée. Sans Jésus, tu es le premier. Recevoir la gloire, la louange et les acclamations de ton peuple. Le premier et le dernier, celui. Oh Seigneur,
soit la louange. Que ton nom Jésus soit béni. En ton silo, tout trouve une raison d'être. Ton origine remonte depuis l'éternité. Yeshua Rasti Ayosali Jambé. Oh, Yesu Kumama. Saint-Nom Père, merci parce que ce peuple nombreux est venu ce matin pour t'élever et t'adorer. Nous sommes là ce matin pour attendre au Dieu de toi, pour te dire, viens Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour ce roi de gloire, celui qui règne? Celui qui reçoit notre louange ce matin. Celui qui reçoit notre adoration ce matin. Celui qui approuve nos cantiques ce matin. Élevons nos cris de joie vers Jésus-Christ de Nazareth. Le seul véritable Dieu. Le seul véritable roi. Yes. Merci à toi Jésus. Alléluia. Nous avons fait 4 jours. Sinon 5 au niveau de Gros Bouquet. Vous savez, il y a quelque chose qui m'est revenu cette nuit. C'est qu'en face, il y a la prison centrale. Beaucoup de prisonniers ont écouté l'évangile. Parce qu'ils ont envoyé des textos pour nous dire que vos cantiques montent jusqu'à nous. Oui. Oui, tout ce que ce Dieu merveilleux fait est bon. C'est pourquoi ce matin, je voulais que nous nous accordions pour pouvoir recommander ces prisonniers à la grâce du Seigneur. Afin que lorsqu'ils sortiront de là, ils deviennent des âmes du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père Saint, Dieu juste, Dieu de gloire, merci pour les 5 jours passés à côté de la prison centrale de Libreville. Je prie au nom de Jésus que tu te souviennes davantage de ces prisonniers qui ont entendu ta parole, qui ont entendu ton cantique, ton chant nouveau, qui ont été visités, Père, dans ce lieu de caserne. Père, nous prions au nom de Jésus que toi seul puisses te souvenir d'eux, afin que, Père, par ta grâce et ta miséricorde, tu puisses, ô Dieu, les relever, ô Père, les toucher, ô Père, les transformer, ô Père, te saisir de chacune de leurs âmes, afin que demain, lorsqu'ils sortiront, ils confesseront ton nom en esprit et en vérité. Merci Jésus pour ta grâce. Amen. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage? Alléluia. James m'a vu. Pour tous ceux qui veulent rendre témoignage, comme ce n'est pas le stade ici, c'est tellement restreint pour éviter le désordre. Faites le tour, voyez les frères qui sont en blanc derrière là-bas, et puis commencez à expliquer. Parce qu'ici, on commence à fonctionner comme l'église. Là-bas, on était dans un lieu public où les choses se faisaient de façon comme on a vu. Amen. Alléluia. Donc, pour édifier tout le monde, pour éviter des errements, veillez s'il vous plaît,
voir des frères là-bas pour que tout soit mieux canalisé. Mais je vais appeler James parce qu'il avait quelqu'un à témoigner. C'est bon? Ok, il n'est pas là. Oui, frère. Bonjour, peuple de Dieu. J'aimerais témoigner pour ce que Jésus fait pour moi. En fait, je sors tout à l'heure d'une emprise démoniaque, sans vous mentir. Je suis venu avec papa avec un objectif de venir glorifier Jésus. Donc, pour cela, il m'a dirigé encore. Premièrement, je voudrais le remercier parce que ce sont des choses qui arrivent. Et Jésus lui-même est un obstacle pour nous. Amen. Donc, je voulais profiter de témoigner aussi cela. En fait, j'ai eu comme cette vision. Jésus me révélait que j'avais une famille qui me tenait à cœur. Papa et maman. Mais depuis mon bas enfant, je me suis rendu compte qu'on a eu des problèmes, des persécutions, mais il fallait que quelque chose arrive. Excusez-moi, j'ai un peu le stress parce que je viens de vivre ça devant leurs yeux. Et Jésus encore illuminé aujourd'hui. J'ai senti la présence de Jésus. Donc, il m'a révélé que dans la vision, papa est persécuté. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il me dit, voilà, papa, des problèmes au travail, n'est-ce pas? Je dis, oui, Seigneur, mais que faire? Je réplique aussi parce que je sais que je m'adresse à mon sauveur. Je dis, que faire? Il me dit, bon, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prier et tu vas suivre ce que je te demande de faire. Mais soudain, mais je dis, mais attends, Seigneur, tu me demandes de faire des choses qui sont à ta merci, à ta puissance et dans ta main. Moi, je ne peux pas faire ça. Il me dit, fais ce que je te demande. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux pas. Mais pour te faire plaisir, comme je suis ton serviteur, je vais quand même essayer. Bon, j'ai dit, bon, je vais sortir quand même et puis je vais essayer de penser, voir un peu ce que ça va donner. C'est mieux de toucher du doigt parce que le Saint Thomas était un prophète aussi de Jésus, n'est-ce pas? Alors, donc, j'ai vu que papa et maman m'ont dit, on va aller à l'église, on part à l'église, on va là-bas. Il y a toujours des problèmes, tout ça et tout. On vient à la maison, on est tranquille, un moment, c'est des problèmes, ceci, cela et tout. Mais j'ai additionné un peu tout ça. J'ai dit, non, mais ces choses qui arrivent là, Jésus me parle, c'est vrai. Mais si je ne fais rien, peut-être il va me frapper. Mais je veux voir un peu ce que ça va donner. Tout à l'heure, on venait sur la route d'Awenje. N'est-ce pas, papa? Il est où, papa? Sur la route d'Awenje et tout, on descend du taxi. C'est actuellement comme dans la vision, c'est ce que j'ai vu. Je vois en marchant, papa est devant, maman était en train de suivre papa. Moi, j'étais derrière. Je vois une lumière, tant qui s'allume. Je dis, mais attends, ça, c'est quelle histoire, ça? Une lumière, oui, mais on allait tellement vite parce qu'on était pressé de venir glorifier Jésus. Hein. Je vous assure que Jésus, quand il vous dit, venez à moi, c'est là-bas le cœur, l'esprit et dans l'amour, n'est-ce pas? Donc, on était tellement motivés. Mais après, je dis, ah, mais Seigneur, c'est qui m'a parlé? Est-ce que ça ne va pas refroidir papa et maman si je touche du doigt? Mais je sais que Jésus illumine. Je sais qu'il va faire quelque chose. Donc, quand on part, j'ai laissé un moment, j'essaie de rattraper. Je vois une espèce de lumière. Ensuite, un moment, tac, ça s'arrête. Je vois un petit jouet comme une boule. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je dis, ça, c'est peut-être l'œuvre de Jésus. C'est comme ça qu'il va illuminer encore. Il va encore faire quelque chose. Je suis allé, j'ai touché ça. Je dis, je vais faire le Saint Thomas. J'ai touché ça. Mais après, subitement, quand une maman s'élève, oh mon fils, pourquoi tu touches ça? Toi, tu as des problèmes. Si j'avais le couteau, je devais t'enfoncer ça. Devant papa, j'étais mort. Bon, je n'avais plus rien à dire. Mais je sentis mon cœur. Non, je ne sais pas quoi. Cette joie-là, c'est ce que je vois à l'entourage. Là. C'est le cœur de Jésus, sans vous mentir. Je ne veux pas cacher ça parce que je sais que Jésus est lumière. C'est ce que je tenais à cœur à vous dire, vous qui êtes mes frères. Et Jésus a illuminé encore pour moi. Alléluia. Les véhicules à déplacer. AF 374 AA, Suzuki Vitara. À déplacer, s'il vous plaît. AH
808 IT Ford Ranger à déplacer. DJ050AA Toyota Land Cruiser à déplacer. CX464AA Toyota à déplacer. DK921AA Suzuki Vitara à déplacer. Alléluia. Le plus urgent à déplacer est le DJ050AA Toyota Land Cruiser blanc. S'il est là, s'il vous plaît, déplacez-le. Les frères vont vous montrer un emplacement où vous ne générez pas le propriétaire de ce terrain. Merci. Et le véhicule Ford Ranger immatriculé AH808IT. Ford Ranger AH808IT. Veuillez, s'il vous plaît, les déplacer. Les frères dehors vont vous orienter. Merci. OK. Nous avons tous suivi le témoignage tout à l'heure. C'est important. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Comprenez que le frère ne fait qu'accepter le Seigneur. Alléluia. Voilà. Mais pour qu'il commence à comprendre, Saint Thomas n'était pas un prophète du Seigneur. C'est important. Alléluia. Je vais appeler un frère, James. Amen les frères, amen les sœurs. Vous me voyez, je suis votre frère, je m'appelle Franklin Moukoko. Ce que j'ai vu dans l'église là, en tout cas, c'est moi-même, je me vois comme vous me voyez. J'ai été fumeur de chambre pendant 22 ans avec les cigarettes. Avec les boissons, j'ai mélangé tout. J'ai parti prier partout pour tous les besoins là, ça partait pas. Le mercredi passé, le frère il m'a mené derrière la prison. Il a dit viens, il y a un vieil là-bas. J'ai parti seulement au hasard. Je suis assis, je comprenais les paroles, ça m'a touché,